Et en tant que grand représentant des IFORCHI sur ce plateau, j'aimerais accompagner ces belles dames pour parler d'autonomisation et épanouissement de la femme avec Madame Prisca Bro-Ncho. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Ajeval. Bonjour, Madame Ncho. Belle journée de célébration, hein, en marge. Donc, nous prolongeons les sujets, parlons bien sûr de la femme aujourd'hui, autonomisation de la femme et épanouissement. C'est sûr que ces termes clés vont de pair parce oui. que quand la femme est autonome, c'est sûr que l'épanouissement arrive facilement. Naturellement. Mais ça passe par un procédé qu'on va essayer d'aborder et d'entamer ici dans cette émission. Alors, Madame Ncho, c'est quoi déjà une femme autonome? D'abord, c'est quoi l'autonomisation? L'autonomisation, oui. L'autonomisation, c'est tout un processus qui va permettre aux femmes d'accéder pleinement, de jouir pleinement de ses droits civiques, de participer à la vie civique, à la vie sociale, à la vie économique, à la vie politique. Donc, on reconnaît que la femme a la capacité, a les compétences, a les possibilités, si elle le veut, de participer à tout ce qui se passe dans la société qui va vers le développement, qui concourt au développement et à l'évolution de la société, et non la mettre en marge et non l'utiliser comme le second plan, le second rôle, celle qui est derrière, qui donne de bons conseils pour que l'autre avance, mais qui n'est pas capable d'être à cette place-là et de pouvoir, elle aussi, avancer. Alors, c'est vrai que c'est une notion qui est très vulgarisée, hein, chez nous, même en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, avec toutes les avancées. On a même un secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme. Coucou, honorable. Alors, pourquoi parler d'autonomisation? On parle d'autonomisation parce que plusieurs études l'ont démontré que quand la femme est autonome, ça réduit le taux de pauvreté là où elle se trouve. Aujourd'hui, vous savez, quand on perd, par exemple, une maman en couche, une femme décède ou bien une maman n'est pas productive, ça impacte toute la famille. Parce que même le papa ou l'homme qui est le garant, qui gère, n'a pas forcément tous les revenus qu'il faut, toutes les capacités, toutes les compétences qu'il faut pour gérer au mieux la maison et toute son travail ou bien la société, tout ce qui doit concourir à sa participation sociale. Alors qu'on se rend compte que quand une femme est autonome, non seulement son autonomisation va impacter la vie de ses enfants, la vie éducative de ses enfants, on se retrouve à deux revenus, à deux intelligences équitables qui arrivent à discuter et à prendre des décisions raisonnées pour le bien-être de la famille. Et ce bien-être de la famille va forcément impacter sur le bien-être social. Donc, si un père est seul à gérer des enfants pour l'éducation, la nourriture, les factures, etc., etc., et que la maman est là juste pour faire le marché, faire la cuisine, à un moment donné, vous vous rendez compte que plus les études évoluent, les enfants, les parents n'ont plus la possibilité de payer des frais scolaires ou bien des universités de renom, de permettre à l'enfant d'aller exprimer ce qu'il veut faire parce qu'il n'y a pas les moyens. Donc, on va arriver à une classe où les parents ne peuvent plus vous offrir des études et puis vous allez vous arrêter. Donc, ce cycle-là ne va pas s'arrêter. Mais si la maman est autonome, elle va toujours compenser ce gap et permettre à ce que ces enfants-là puissent terminer l'école. Et une fois que ces enfants, on ne fera plus de discrimination pour dire, bon, on va choisir le garçon et la fille, elle va aller se marier. Donc, tout le monde va à l'école et forcément, une fille qui, le papa et la maman ont éduqué pour finir des études, pour faire ce qu'elle avait voulu faire de sa vie. Quand elle arrive dans la vie active, non seulement elle peut participer à la vie sociale, à la vie civique, à la vie politique, à la vie économique, parce qu'elle en a les compétences. Voilà. En tout cas, avec ce que vous nous dites, c'est clair que le bien fondé de l'autonomisation des femmes n'est plus à prouver. C'est clair que ça devient même impératif et imposable. Alors, aujourd'hui, à notre ère, c'est clair que l'homme évolue en fonction de son ère. On a eu une certaine manière de penser avant, de placer la femme dans des carcans. Mais aujourd'hui, quelle est la physionomie que devrait prendre l'autonomisation des femmes véritablement? Déjà peut-être, la dernière fois, on disait que tout part des préjugés, tout part de l'éducation. Aujourd'hui,
quand on parle d'autonomisation et d'épanouissement, pourquoi est-ce qu'on veut mettre les deux sur le même tableau? Aujourd'hui, il n'y a pas de femme qui n'aime pas le bien-être, qui n'aime pas paraître, qui n'aime pas être belle, qui n'aime pas être chic, qui n'aime pas avoir des revenus et faire ce qu'elle veut de ces revenus-là. Mais pour l'avoir, il faut ne pensez pas que c'est quelqu'un qui va vous l'offrir. C'est à vous de vous battre pour atteindre ce niveau de bien-être-là que vous souhaitez avoir. Mais tout part d'où? Tout part du fait que depuis on est petit, on nous a fait comprendre que c'est l'homme qui doit s'occuper de nous. C'est l'homme qui doit nous entretenir. Donc tout bonnement, on s'assoit, on ne veut rien faire et on attend tout de l'autre. Mais il faut savoir que la main qui donne, c'est la main qui commande. Donc, si on passe le temps à vous donner, que vous avez la main en bas, c'est vrai, vous allez paraître, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, on vous donne tout, mais vous n'avez aucun pouvoir de décision parce que c'est l'autre qui va assurer son dictat parce que vous dépendez exclusivement de lui. Donc, vous pouvez avoir tout ce qu'il vous donne, mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme vous voulez parce que c'est lui qui vous a donné. Le principe, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre tout de l'homme. Il ne faut pas attendre comme on t'a éduqué pour dire c'est l'homme qui doit s'occuper de toi. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Donc, je disais avant-hier, si vous pensez que célébrer le 8 mars, c'est-à-dire lutter pour atteindre nos droits, si vous pensez que c'est un jour que vous devez célébrer, il faut vous rendre compte que le 8 mars, non seulement ce n'est pas une fête, ce n'est pas pour danser, ni porter un uniforme seulement, mais c'est pour réfléchir sur comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce niveau d'autonomisation-là, pour atteindre ce niveau d'épanouissement qui nous permet de contribuer au développement du pays. Alors, quand on parle d'autonomisation, on parle d'épanouissement aussi. Il y a peut-être certains qui pensent à avoir beaucoup d'argent pour pouvoir mieux m'exprimer dans la société. Mais l'autonomisation, c'est plusieurs pendants. Bien sûr, l'autonomisation, c'est plusieurs pendants. J'ai parlé de la vie économique. Oui. Donc, l'autonomisation, aujourd'hui, une femme peut créer son entreprise et en être la responsable, et en être la gérante et coordonner des mains de maître. Pourtant, quand on voit les statistiques, on se rend compte que les chefs d'entreprise, il y a plus d'hommes que de femmes. Pourquoi les femmes ne s'investissent pas à aller vers ce niveau d'intervention économique? Parce qu'on n'a pas suffisamment les compétences. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut relever. On a l'impression que... on se bat, on veut avoir des positions. Oui, mais tu veux avoir une position, mais est-ce que tu en as les compétences? Non, mais bon, vous savez, nous, les femmes, là, à un moment donné, on doit aller à la maternité. Il ne faut pas prêter le flanc sur le fait que c'est la maternité qui fait que les femmes n'évoluent pas. Une femme, elle peut faire 2, 3, 4 enfants et puis organiser son temps, sa carrière, de sorte que la maternité ne puisse pas impacter l'évolution de sa carrière. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut intégrer. Ne pensons pas que parce qu'on doit s'occuper de la maison, on doit s'occuper des enfants, on ne doit pas aussi se capaciter, renforcer nos capacités, se rendre compétence pour les positions qui nous permettent de nous exprimer dans la société. Et non penser que l'autonomisation, c'est forcément gagner de l'argent. C'est cette capacité-là, c'est cette compétence-là à pouvoir participer activement à tous les aspects de la vie socio-économique et politique du pays et à être compétente. C'est-à-dire, quand il y a un débat d'idées, tu as la compétence, tu as les informations, tu as la connaissance pour pouvoir discuter devant des hommes, devant d'autres femmes et de dire les choses correctement sans t'emporter, sans te mettre dans des émotions, sans insulter. Parce que c'est tous ces aspects-là qui font que les gens nous mettent dans un carcan pour dire les femmes, partout où elles sont, c'est que des émotions, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on met les émotions en avant quand la compétence n'est pas là. Alors, avec ce que vous venez de nous faire comme analyse, bon, moi, je pense que la volonté des femmes de bien faire aujourd'hui est vraiment là. Et donc, peut-être que c'est les conditions aussi qui ne sont pas forcément réunies. Hein. Aujourd'hui, la formation et surtout l'accès à la formation aux femmes n'est pas quelque chose de tacite, de normal. Donc, peut-être aussi que la société devrait revoir son fonctionnement pour pouvoir donner les mêmes chances aux femmes de s'exprimer et de s'affirmer. Moi, je pense que ce que vous dites est mitigé. C'est vrai qu'il y a des femmes qui n'ont pas vraiment l'opportunité d'accéder à la formation. Mais elles sont nombreuses. Hein. Elles sont nombreuses. Mais il y en a, c'est-à-dire même le peu qui ont accès à la formation n'y vont pas.
Voilà, les peu qui ont accès à la formation ne se forment pas. C'est un cas de conscience. C'est un cas de conscience, parce qu'on veut quelque chose, mais pour l'avoir, il y a quand même un sacrifice à faire pour l'avoir. Et les femmes qui n'ont pas accès à l'éducation, le premier problème à l'information, c'est ça. Aujourd'hui, avec les TIC, on peut se former en ligne sans se déplacer. On peut faire des certifications en ligne sans bouger de sa zone. Mais une femme qui n'a pas été à l'école, comment est-ce qu'on pourrait l'aider à utiliser les TIC? Aujourd'hui, il y a plusieurs applications qui permettent aux gens de parler leur langue avec l'application, d'interagir et de prendre des informations qui vont leur permettre de développer le business ou l'activité dans laquelle elle veut exceller, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, que ce soit la vie civique, etc., etc. Donc, aujourd'hui, il y a toute une pléthore d'informations qui peuvent permettre aux femmes de sortir de leur pauvreté, de sortir de leur carcan. Mais qui donne cette information? Je pense qu'on est en train de le faire. Petit à petit, les choses vont évoluer. Il y a le clin d'œil aussi qu'on fait aux femmes rurales, parce que justement, quand on parle, on nous voit seulement, nous qui avons eu l'opportunité d'aller à l'école, mais il y a aussi les femmes rurales vers qui il faut avoir aussi un regard. C'est à nous de retourner à chaque fois dans nos communautés et de sensibiliser nos mamans qui ont un savoir-faire extraordinaire. Elles utilisent le peu qu'elles ont dans les communautés pour sortir des choses, mais il faudrait les accompagner, les former à comprendre le principe de ce qu'elles font au quotidien, de systématiser ces choses-là aussi. Pourquoi ne pas digitaliser et leur permettre de vendre comme aujourd'hui, on fait tout en ligne, en communauté, les mamans pourraient vendre en ligne. Donc c'est toutes ces capacitations-là qu'on pourrait permettre à ces mamans, à nos sœurs qui sont au village, qui n'ont pas été à l'école, d'émerger et d'atteindre cette autonomisation. Déjà, merci pour ces solutions aussi que vous êtes en train de nous donner dans ces échanges-là. Et sans vouloir vous titiller, mesdames, eh bien, il y a des femmes qui sont encore à la traîne. Et il y en a qui sont adeptes du gain facile. D'autres se cantonnent dans ce rôle magnifique d'épouse et de maman. Est-ce qu'on peut donner, est-ce qu'on peut donner à quelqu'un qui ne demande rien? On peut donner à quelqu'un qui ne demande rien. Ça, c'est comme on dit, c'est une organisation interne. Donc, vous êtes, on dit souvent, les femmes qui travaillent, elles veulent toujours avoir quelque chose de leur mari. Ça, c'est une petite organisation interne. Mais le principe, c'est de ne pas être à la charge de quelqu'un. Ce n'est pas être... il ne faut pas être dans une position où vous dépendez de quelqu'un. Je l'ai dit, si vous dépendez de quelqu'un, comment est-ce que lui-même, il arrive à s'occuper de lui si tout ce que lui gagne, il doit reverser chez vous et que lui-même, il ne se retrouve pas? Ça va rompre l'harmonie à un certain moment. Ça va rompre l'harmonie à un certain moment. Mais si souvent vous avez des difficultés et puis vous pensez à qui peut vous apporter un appui. Et vous pensez à tout le monde sauf à la personne qui vit au plus proche de vous. Donc vous rendez compte que la personne ne vous sert pas à grand-chose. Donc forcément, ça va vous mettre dans un état second et les histoires vont commencer. Donc forcément, on peut donner à quelqu'un qui ne veut pas, mais cette personne qui a déjà assez peut donner aussi à la personne en face d'elle. Donc, alors, voilà. C'est clair que le clivage entre les différents courants de pensée quant à la prise de conscience même des femmes de savoir leur rôle et leur place est sujet à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Aujourd'hui, on parle d'autonomisation de la femme et de son épanouissement. J'aimerais qu'on puisse regarder dans le prisme de la volonté, de celles qui ont la volonté de vouloir faire quelque chose, sans pour autant laisser à la traîne celles qui ne veulent rien faire, parce qu'il faudrait porter tout le monde, hein, en parlant de sororité, il faudrait porter tout le monde. On a parlé de milieu rural et de milieu urbain. Quelle est la déclinaison de l'autonomisation sur les deux pans? Bon, déjà, il faut savoir qu'on est dans deux environnements. Deux paradigmes carrément différents. Ouais. Mais c'est le même but qu'on recherche. Vous savez, en communauté, moi j'ai géré des projets communautaires. Vous arrivez en communauté, vous voulez avoir une discussion sur un problème de la communauté. Les femmes n'ont pas le droit de parler là où les hommes sont assis. Donc, même quand vous arrivez dans une communauté où le chef est vraiment... Un intellectuel qui est revenu après pour être un chef, qui laisse un peu cette parité-là. Les femmes ne parleront jamais devant tout le monde.
Donc, elles vont vous faire de grands signes pour que ce qu'elles ont envie de dire, ça se fasse en aparté. Donc, déjà en communauté, il y a une stratification qui est faite de sorte que la femme n'a pas sa place publiquement. Elle ne peut pas participer à la vie sociale du village. Elle peut donner des conseils en privé, d'où l'expression « la nuit porte conseil ». Bon, quand moi j'étais petite, je pensais que c'était vraiment quelque chose de spirituel. C'est après que j'ai compris que c'est la femme dans l'ombre. Que c'est la femme qui parle la nuit pour donner les conseils. Mais ce qu'elle dit dans l'ombre là, pourquoi elle ne peut pas venir dire ça publiquement? Donc si ce qu'elle dit est logique, elle peut parler sous la palabre. Donc là-bas, c'est ça le problème. Et donc, on doit faire un plaidoyer avec les leaders communautaires, les leaders religieux, les chefs traditionnels, que la femme est intelligente, elle a des capacités. Et donc, quand il y a des discussions du village, elle peut donner son point de vue. Et elle a le droit de participer à cela. Maintenant qu'on arrive chez nous, en milieu urbain, ici, on a quand même cette facilité-là de pouvoir s'exprimer en réunion, de pouvoir s'exprimer quand nous sommes en public et tout ça. Ce qui fait que très souvent les femmes se mettent en retrait. Il y a quand même un manque de confiance en soi qui fait qu'elles se disent « mais qu'est-ce que je vais dire là, c'est logique ». Et ça fait que... Qu'est-ce qui crée le manque de confiance par rapport à l'auditoire constitué de différents genres? C'est le même principe communautaire, là, mais de façon voilée. En milieu urbain. C'est la pesanteur. Donc, on dit que la femme, naturellement, doit être soumise à l'homme. Donc, une femme, quand elle est en réunion avec d'autres hommes, elle se dit que son idée, là, même si c'est une idée intelligente, elle n'a pas envie de se battre pour faire émerger cette idée-là, pour que ce soit cette idée-là qui prime et que les instructions puissent suivre. Alors, elle préfère garder. Bon, les hommes n'ont qu'à parler. Souvent, on fait des groupes de discussions. Tu donnes la chefferie à la femme. Elle dit non, c'est bon, ils n'ont qu'à prendre. C'est bon, ils n'ont qu'à faire. Non, moi, je suis à côté, je vais suivre. Je dis non, c'est toi qui vas faire. Pourquoi tu ne penses pas que tu es capable de diriger un groupe où il y a des hommes? Parce qu'elle a appris que si elle commence à parler, c'est comme si elle va monter sur la tête. Et donc, c'est comme, on peut dire, une blessure intellectuelle, une blessure morale que presque toutes les femmes portent. Et on est obligé de se battre pour pouvoir s'exprimer. Et celles qui se battent, on les prend pour des rebelles, pour des femmes à carrière difficile, émancipées, qui ont toujours de gros mots à dire. Souvent, ils vont vous lancer. Femme, même quand elle est partie trop à l'école, on ne peut pas respirer. Donc, pour vous, on ne devait pas aller à l'école et rester ignorante pour pouvoir suivre vos préjugés et stéréotypages. Alors, Madame la Prisca, question vous est un peu posée. Non, ce n'est pas moi. Moi, je suis un homme bien quand D'accord, il y a trois femmes sur le plateau, c'est magnifique. Je suis Iforchi, voilà. Alors, on va rester avec les hommes. C'est vrai qu'on a titillé un peu les femmes, on va aussi... À vous entendre, on a le sentiment que finalement, ce sont les hommes qui sont un peu à la base de cette traîne de certaines femmes, parce qu'ils ne veulent peut-être pas voir les femmes émerger. C'est vrai qu'on dit généralement la femme est le sexe fort. Peut-être que ça dérange aussi certains. C'est encore mitigé, c'est-à-dire il y a une partie où les hommes sont vraiment opposés au fait que les femmes puissent se mettre à leur niveau et parler et prendre la position qu'eux, ils prennent. Et il y a cette catégorie. Mais il y a aussi cette gente féminine qui, elle-même, vous dit que cette position qu'on a dans la société-là, c'est convenable. Donc, on ne peut pas forcément pointer les hommes du doigt parce que c'est dans les deux camps. Yeah. Pendant que les femmes sont en train de se battre, c'est d'autres femmes elles-mêmes qui combattent ce combat. Et bien sûr, ça va plaire aux hommes qui, eux, ne voulaient pas auparavant. Et donc, s'il n'y a pas de synergie entre nous, les femmes, et qu'on n'a pas le même verdict, on n'a pas le même mot d'ordre, forcément, les hommes vont en profiter parce que eux, selon leur masculinité, c'est eux qui sont les chefs. Souvent, on a les discussions de quartier, on se rend compte, ils vont toujours revenir dessus. Hein? Votre égalité de sexe, là, ça, c'est dans les papiers là-bas, mais ici, là, c'est nous. Donc, c'est pour dire que c'est ancré. Ils ne sont pas prêts à lâcher cette autorité qu'ils ont toujours eue. Mais on ne dit pas aussi qu'on veut arracher cette autorité. On demande juste d'avoir accès à ce dont ils jouissent naturellement et que nous, on est obligés de se battre pour avoir.
C'est-à-dire un droit légitime à être considéré à oui. part entière. Oui. Alors, comment on arriverait à lever les verrous de ces pensées limitantes pour les femmes et qu'elles puissent prendre le pouls de la chose et avoir de l'audace? Déjà, je pense que nous, les femmes qui avons eu cette opportunité d'arriver à un niveau où on peut porter notre voix, c'est d'aider, d'être les portes d'ouverture à d'autres femmes. C'est-à-dire de ne pas fermer l'accès à d'autres femmes. Très souvent, on dit là où une femme est, une autre femme ne peut pas rester. C'est faux. Des femmes peuvent diriger ensemble. Des femmes peuvent cohabiter ensemble. Donc, le principe, c'est déjà de permettre les femmes qui ont déjà eu cette opportunité d'être à un certain niveau d'intervention, un niveau de direction, un niveau de leadership, de tirer les autres qui sont en bas pour remonter. Mais coach, est-ce que ce n'est pas aussi en relation avec même le comportement des femmes entre elles-mêmes? Elles se sont fortement illustrées en adversaires et donc ça donnait du grain à moudre aux hommes de pouvoir s'immiscer là-dedans. Elles s'illustrent en adversaires par ignorance. Donc le principe, c'est pour ça que j'ai parlé de formation, de renforcement de capacités. Si on forme les femmes, si elles savent qu'elles n'ont pas intérêt à rentrer en conflit, en opposition, parce que la dernière fois on disait, on est en concurrence avec personne. Donc le bien-être mental et émotionnel, quand vous êtes bien avec vous-même, vous ne faites pas de mal aux autres. Donc c'est toute une chaîne de formation et d'informations qu'on devait pouvoir acquérir. Et tout ça, ça a été occasionné depuis notre éducation. Les comparaisons entre frères et sœurs, les comparaisons de résultats scolaires, les comparaisons entre beauté, ta camarade est plus jolie que toi. Non, on grandit, on pense que c'est ça qui est plus important, c'est ça qui est le plus... Ah, moi là, j'ai porté un pain là, elle n'a même pas ça. Et puis, tout lui réussit, des petits donc, détails on la jalouse qui ne nous font pas avancer. Vraiment, ça nécessite juste des formations. Et donc, pour moi, cet aspect-là, c'est un détail. Et comme c'est des femmes, un milieu de femmes, on fait toujours la différenciation. Quand on est dans un milieu professionnel et qu'on voudrait évoluer, il y a des détails pour lesquels on ne devrait pas rentrer dedans. Merci. C'est pour ça que se concentrer sur l'essentiel. Merci beaucoup, Madame Prisca Broncho. À travers ce que vous allez dire, eh bien, nous allons retenir le plus important.